بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد mes chers frères, nous allons poursuivre notre série de cours et de leçons en langue française. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville de Médine et de ce que nous devons accomplir dans cette ville. La ville de Médine est une ville importante qui a certains mérites. C'est une ville qui est une ville sacrée dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à son sujet certaines choses importantes. Allah Azza wa Jal, toutes ces créatures, il choisit, il en fait des catégories. Allah Azza wa Jal, parmi les êtres humains, il a choisi une catégorie de personnes et les a préférées à d'autres. Il a choisi les prophètes, il a choisi les messagers et les a préférés à d'autres. Et c'était un choix que Allah Azza wa Jal a fait. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Donc parmi les choix que Allah Azza wa Jal a fait, il a choisi certaines villes. Il a choisi certains lieux et les a préférés à d'autres. Il a choisi Mecca, il a choisi Médine et il a choisi Beit al-Maqdis. Donc, Allah Azza wa Jal, il crée ce qu'il veut et il choisit. En ce qui concerne la ville de Médine, Allah Azza wa Jal, il l'a choisi comme étant une ville qui propage l'islam. Il a choisi comme ville dans laquelle a immigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi comme ville qui acceptera ou qui accueillera la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi cette ville. Et cette ville, elle a certains mérites. Toute personne qui vient accomplir le hajj, accomplir le pèlerinage, passe par Médine. Et Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité certains hadiths qui nous montrent l'importance de cette ville et le mérite de cette ville. Je vais citer quelques points concernant les mérites de cette ville. Parmi les mérites de cette ville, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Médine est une ville sacrée. Il dit que Ibrahim alayhi salam a sacralisé la ville de Mecca. Et moi, je sacralise la ville de Médine. Inna Ibrahim harrama Mecca wa inni uharrimu al-Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète Ibrahim alayhi salam, il a rendu Mecca une ville sacrée. Il a sacralisé la ville de Mecca. Bien sûr, c'est Allah Azza wa Jal qui rend sacré un lieu.
Mais celui qui a annoncé cette sacralisation, c'est bien Ibrahim alayhi salam. Et celui qui a annoncé la sacralisation de Médine, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Izan, ceci est la première chose qui nous montre l'importance de cette ville et le mérite de cette ville. Le deuxième point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Inna Allah samma al-madinata Taba. Et le mot Taba en arabe signifie le bon ou la bonté. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah azza wa jal, il a nommé cette ville la bonté, la ville de bonté. Donc la ville de Médine, c'est une ville de bonté. Ce hadith aussi nous montre l'importance de cette ville et la place de cette ville. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi à propos de cette ville, la ville de Médine, il dit que c'est une ville dans laquelle on peut rencontrer certaines difficultés. Et toute personne qui patientera et qui endurera à ces difficultés, je serai pour lui un témoin ou un intercesseur. J'intercéderai en sa faveur. Man sabara ala la'wa il madina wa shiddatiha kuntu lahu shahidan aw shafi'an yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je serai pour ceux qui patientent et qui endurent aux difficultés qu'ils rencontreront dans cette ville, je serai pour eux un intercesseur ou un témoin. Ceci nous montre l'importance de cette ville et le mérite de cette ville et la grandeur de cette ville. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi que cette ville, tout musulman doit faire attention à cette ville. Il est interdit de faire dans cette ville une innovation. Toute personne qui propagera dans cette ville une innovation est maudit. Toute personne qui cache un innovateur dans cette ville est maudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que cette ville est une ville sacrée. Cette ville est une ville sacrée. Et ensuite il dit dans le hadith: فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Toute personne qui fait une innovation dans cette ville ou qui cache, qui protège un innovateur dans cette ville, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette personne, Allah azza wa jalla le maudit, les anges le maudissent et tous les gens le maudissent. Et cette personne, toutes les œuvres qu'il accomplira, toutes les adorations qu'il accomplira, les adorations obligatoires, les adorations surérogatoires, ne seront pas acceptées. Donc, c'est une ville importante. C'est une ville sacrée. C'est une ville à respecter. Toute personne qui vient dans cette ville, avant d'accomplir le pèlerinage, ou après avoir accompli le pèlerinage, il lui est recommandé de visiter certains lieux, de visiter certains sites. Il lui est recommandé de visiter 2 mosquées. Et il lui est recommandé de visiter 3 lieux d'enterrement.
La première mosquée recommandée à visiter, bien entendu, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que toute personne qui accomplit une prière dans cette mosquée, qui accomplit une prière dans ma mosquée, aura la récompense de celui qui a accompli 1000 prières dans une autre mosquée. Il dit bien la récompense de 1000 prières. Ce n'est pas 1000 hasanat, mais bien 1000 prières. La récompense de 1000 prières. Et cela, que ce soit une prière obligatoire ou que ce soit une prière surérogatoire. Et que ce soit que cette prière soit accomplie dans la mosquée qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans tout le reste de la mosquée. Car la mosquée qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élargie, a été agrandie. Donc la mosquée, que ce soit la partie qui existait dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les parties qui ont été ajoutées à la mosquée, elles ont toutes le même mérite. Elles ont toutes la récompense de 1000 prières. Ensuite, il y a la mosquée de Quba. La mosquée de Quba est la première mosquée construite dans cette ville. La première mosquée qui a été construite dans cette ville, c'est la mosquée de Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a immigré de Médine, il a construit la mosquée de Quba avant de venir s'installer dans le centre-ville et y construire sa mosquée. Et la mosquée de Quba, c'est une grande mosquée. Elle ne fait pas partie des trois mosquées sacrées, mais c'est une mosquée importante. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: toute personne qui fait les ablutions, toute personne qui fait les ablutions dans sa demeure, dans sa maison ou dans son hôtel, puis qui va à la mosquée de Quba pour y accomplir une prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne une récompense. Il lui donne la récompense d'une umrah. Il lui donne la récompense d'une umrah tout entière. Le fait de faire 2 rak'at dans la mosquée de Quba, Allah azza wa jalla, il te donne la récompense d'une umrah tout entière. Il y a une petite remarque à faire, c'est que beaucoup de pèlerins et beaucoup de visiteurs ne profitent pas de leur venue ici pour accomplir plusieurs prières dans la mosquée de Quba. Beaucoup de visiteurs et beaucoup de pèlerins se contentent de visiter la mosquée de Quba une seule fois durant les quelques jours qu'ils passent ici, alors qu'il serait bien, il serait préférable pour eux, si possible, d'aller à la mosquée de Quba plusieurs fois, car ce mérite, on ne le trouve pas partout. Le fait d'accomplir 2 rak'at et d'avoir la récompense d'une umrah tout entière, c'est une énorme récompense que beaucoup de pèlerins et que beaucoup de visiteurs négligent. Donc, il est recommandé de visiter la mosquée de Quba et y accomplir des prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, comme il a été rapporté, chaque semaine, il se rendait à cette mosquée. Il se rendait à la mosquée de Quba. Parfois, il y allait à pied. Et parfois, il y allait en prenant une monture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les samedis, il se rendait à la mosquée de Quba. Donc la mosquée de Quba est une mosquée importante et c'est un lieu important à visiter. Ces deux mosquées, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de Quba, sont les seules et uniques mosquées à visiter dans cette ville. Ils sont les seules et uniques mosquées
qui ont une récompense. Ils sont les seules et uniques mosquées qui ont un mérite de visite. Il y a des mosquées que les pèlerins et les visiteurs ont l'habitude de visiter, que leurs visites ne sont pas recommandées. La mosquée de Bani Salima, plus connue sous le nom de la mosquée de Qiblatayn, ce n'est pas un lieu de visite. C'est une mosquée comme toute autre mosquée, excepté qu'il y a eu un certain événement qui s'est déroulé, qui s'est passé. Comme nous le savons tous, tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils accomplissaient la prière, ils s'orientaient vers Bayt al-Maqdis. Tous les prophètes, et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils s'orientaient vers Bayt al-Maqdis. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle et lui ordonne de s'orienter vers le Kaaba. Alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé de direction. Et Bani Salima, le quartier de Bani Salima, dans lequel se situe la mosquée de Bani Salima, plus connue sous le nom de Masjid al-Qiblatayn, la mosquée de Qiblatayn, c'était une mosquée dans laquelle un bon nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissaient la prière. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la révélation des versets qui recommandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'orienter vers le Kaaba ont été révélés, certains avaient assisté à la prière de Salat al-Fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont assisté à la révélation des versets et ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'orienter vers le Kaaba. Par la suite, quand ils sont allés dans le quartier de Bani Salima, ils ont trouvé que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient dans ce quartier n'avaient toujours pas appris que la direction de la Qibla avait changé. Alors, ce compagnon a dit aux autres compagnons qui étaient dans la prière de Salat al-Asr que la direction de la Qibla avait changé, qu'il fallait s'orienter vers Al-Kaaba. Alors ils se sont orientés vers la Kaaba durant la prière. Et par la suite, les gens après ont appelé cette mosquée Masjid al-Qiblatayn, la mosquée qui a deux Qibla, deux directions. Alors que ce n'est pas la seule mosquée qui a eu deux Qibla, car même la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu deux Qibla. Masjid Quba a eu deux Qibla. Ce n'est pas la seule mosquée qui a eu deux Qibla. Mais à cause de cet événement, les gens ont commencé à appeler cette mosquée Masjid al-Qiblatayn. Donc cette mosquée est une mosquée comme toute autre mosquée qui n'a aucun mérite de visite, qui n'a aucune récompense, contrairement à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de Quba. Ensuite, il y a la mosquée ou les mosquées d'El Khandaq qui ne sont eux aussi pas des mosquées à visiter, car El Khandaq est seulement un lieu dans lequel il y a eu une bataille opposant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon d'un côté et les polythéistes, les mouchriquines, les mécréants de Kufar, les mécréants de Quraysh de l'autre côté. Donc dans ce lieu, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prié dans certains lieux. Quand l'heure de prière est arrivée, ils ont prié comme tout musulman aurait prié. Et par la suite, certaines personnes
ont pris ces mosquées, ces endroits comme des mosquées. Donc ce sont des mosquées, ce ne sont pas des lieux. Ces mosquées ne sont pas des lieux à visiter. Toute personne qui les visite par curiosité n'aura aucune récompense, n'a aucun mérite. Ils ne font pas partie des lieux à visiter dans cette ville. Donc, les deux seules et uniques mosquées à visiter dans cette ville sont la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée de Quba. Tout musulman qui vient dans cette ville se doit de profiter un maximum de ces deux villes, de ces deux mosquées, d'accomplir le maximum de prières dans ces deux mosquées, d'accomplir le maximum de prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de nombre limité, de nombre précis à accomplir dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes qui pensent que toute personne qui accomplit 40 prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un certain mérite. Tous les hadiths dans lesquels il a été rapporté qu'il faut absolument accomplir 40 prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont que des faux hadiths, ne sont que des hadiths non authentiques. Donc, quand on vient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on accomplit le maximum de prières possibles. Il n'y a pas de limite et il n'y a pas de nombre précis. Celui qui peut accomplir 10 prières, 20, 30, 40, 50, 60, qu'il accomplisse. Celui qui peut faire des prières surérogatoires, qu'il le fasse un maximum. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, une prière accomplie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut, une prière accomplie équivaut 1000 prières accomplies dans toute autre mosquée. Et celui qui peut aller dans la mosquée de Quba chaque jour qu'il passera dans la ville de Médine, c'est un grand mérite, car il aura la récompense d'une Umrah. À chaque fois qu'il ira dans cette mosquée, il aura la récompense d'une Umrah tout entière. Ensuite, mes chers frères, il y a 3 lieux d'enterrement à visiter dans cette ville. Le premier est la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est recommandé à toute personne qui vient dans la ville de Médine, toute personne qui vient visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est recommandé de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous visitons la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous le visitons pour seulement une seule chose, lui passer salam. On lui dit assalamu alayka ya rasulallah. En disant cela, on a accompli la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se met face à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on dit assalamu alayka ya rasulallah. Et en faisant cela, nous avons accompli la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui peut ajouter tout éloge, toute bonne parole, c'est une chose bien, c'est un plus. Mais il y a certaines choses à n'absolument pas faire devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, il ne faut absolument pas élever la voix, car Allah Azza wa Jal, il a interdit de lever la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Il est interdit de lever la voix, de hausser le ton devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la deuxième chose, il est interdit de demander quoi que ce soit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De dire ô prophète, donne-moi ce lit, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, aide-moi à cela, j'ai besoin de ton secours. Tout cela est interdit. Tout cela fait partie d'associer un autre
que Allah à Allah Azzawajal. C'est un grand péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Toute personne qui commet ce péché doit se repentir pour qu'Allah le pardonne. Car celui qui meurt avec ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il le dit dans le Coran, il ne pardonne jamais l'association. Donc, quand nous saluons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui demandons rien du tout. Nous lui passons le salam. Quand nous nous mettons, quand nous nous positionnons devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne se positionne pas comme si nous accomplissions une prière. C'est-à-dire, il est interdit de mettre les mains sur la poitrine devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si nous accomplissions une prière. Cette position est une position exclusivement pour Allah Azzawajal. C'est une position pour Allah Azzawajal. Il est le seul et unique qui mérite cette position. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne mérite pas cette position. Donc quand nous nous mettons face à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui passons le salam et rien d'autre. Ensuite, nous nous décalons vers la droite et nous saluons le premier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette communauté, le meilleur de tous les hommes après les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Nous nous mettons face à lui et nous faisons comme nous avons fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui passons le salam. Assalamu alayka ya Abu Bakr, ya Khalifata Rasulillah. Si nous pouvons ajouter autre chose, nous l'ajoutons. Ensuite, nous nous décalons vers la droite et nous saluons le deuxième compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est enterré à ses côtés, Omar radiallahu ta'ala anhu. Et nous faisons la même chose que nous avons fait pour Abu Bakr. Assalamu alayka ya Omar, ya Khalifata ou ya Amir al-Mu'minin. Celui qui peut saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons en arabe, qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas le faire en arabe, qu'il le fasse en français, en anglais, en italien, en espagnol, en chinois, la langue qu'il veut. C'est une salutation. Il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des façons qu'il peut. Donc, après la salutation de ces trois grands hommes de l'islam, il y a le deuxième cimetière, le deuxième lieu d'enterrement qui est le cimetière de Baqi'. Nous allons à Baqi' et nous faisons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y faisait. Quand nous visitons un cimetière, il y a trois objectifs. Quand nous visitons un cimetière, il y a trois objectifs. Le premier objectif, le premier but de la visite d'un cimetière, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait les cimetières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il visitait le cimetière de Baqi'. De temps à autre, il allait rendre visite au cimetière de Baqi'. Donc, toute personne qui vient dans la ville de Médine ou toute personne qui est résidente dans la ville de Médine, il lui est recommandé d'aller visiter de temps à autre le cimetière de Baqi'. Ceci est le premier objectif, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième objectif, c'est de faire du bien à tous ceux qui sont enterrés dans le cimetière de Baqi'. Quand nous visitons les morts, c'est un bien pour les morts, car nous invoquons Allah Azzawajal pour eux. Et une invocation fait toujours du bien à un mort. Une invocation fait toujours du bien à un mort. Donc ceci est le deuxième objectif, le deuxième but de cette visite.
Le troisième et dernier objectif de la visite, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le hadith. Zouru al-qubura fa innaha tudhakirukum al-akhira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit visitez les cimetières car ils vous rappellent la vie de l'au-delà. Ils vous rappellent la mort. Ils vous rappellent qu'un jour vous serez à cette place. Vous serez sous la terre. Donc, c'est un rappel. Quand nous visitons les cimetières, c'est un rappel. Ce sont les trois objectifs de la visite d'un cimetière. Donc quand nous allons dans les cimetières, nous invoquons Allah Azzawajal pour les morts. Nous invoquons Allah Azzawajal pour les morts. Nous n'invoquons aucun mort. Nous ne demandons rien aux morts. Ce sont des morts qui ont besoin de nous. Ce sont des morts qui ont besoin de nos invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprenait à ses compagnons certaines invocations à dire pendant les visites des cimetières. Il leur apprenait à dire, par exemple, Assalamu alaykum ahla diyari min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha'allahu bikum lalahiqoon nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Cette invocation est une des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons. Et cette invocation signifie Assalamu alaykum, paix soit sur vous, nous vous saluons, habitants de ces demeures, parmi les croyants et les musulmans. Certes, nous serons, Inch'Allah, parmi vous. Nous serons les prochains. Nous serons vos succédeurs. Nous demandons à Allah Azzawajal pour nous et pour vous la protection. Nous demandons à Allah Azzawajal pour nous et pour vous qui nous protège. Donc cette invocation est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à ses compagnons. Il est recommandé d'apprendre cette invocation. Celui qui peut apprendre cette invocation, c'est un grand bien pour lui. Mais celui qui ne peut pas apprendre cette invocation, alors qu'il invoque Allah Azza wa Jal pour les morts, toute invocation est acceptable. S'il peut invoquer Allah Azza wa Jal en arabe, qu'il invoque en arabe. S'il ne peut pas l'invoquer en arabe, qu'il l'invoque en toute autre langue. Il invoque Allah Azza wa Jal pour les morts. Donc ensuite, il y a le troisième cimetière, qui est le cimetière des martyrs de Uhud. Le cimetière des martyrs de Uhud. Il y a dans le cimetière de Uhud environ 70 martyrs, plus précisément 73 martyrs ou 72 martyrs. Après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enterrés dans le lieu ou sur le lieu de la bataille. Et il est recommandé de leur rendre visite pour les trois objectifs que je viens de citer. Ce sont les mêmes objectifs. Ce n'est qu'un cimetière que nous rendons visite, auquel nous allons visiter. Donc, les mêmes objectifs de Baqir sont les mêmes objectifs de la visite des martyrs de Uhud. Et là-bas, nous faisons la même invocation. Nous invoquons Allah Azzawajal pour les martyrs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'il visitait continuellement le cimetière de Baqir, il visitait aussi le cimetière des martyrs de Uhud. Quand nous allons à Uhud, nous rendons visite au cimetière, nous rendons visite aux martyrs et nous faisons la même invocation que nous avons fait à Baqir. Ceci, ces sites que je viens de citer sont les sites à visiter pour toute personne qui vient dans la ville de Médine. Toute personne qui vient dans la ville de Médine, il lui est recommandé de visiter ces lieux. Mais la visite de ces lieux
mes chers frères, n'est pas une obligation, n'est pas obligatoire. Mais ce serait très malheureux qu'une personne arrive jusqu'ici et ne visite pas ces lieux. Ce serait vraiment très regrettable d'arriver jusqu'ici et de ne pas visiter ces lieux pour y avoir ses mérites, afin d'avoir ses mérites que nous avons cités. Donc, mes chers frères, après la visite de Médine, il y a l'objectif principal de la venue de toute personne, qui est l'accomplissement du pèlerinage. L'accomplissement du pèlerinage, Inch'Allah, à partir de demain matin, nous allons parler en détail, Inch'Allah, du pèlerinage, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vais me contenter de ça, de ce que je viens de dire. Et ceux qui ont des questions, ils peuvent me les poser. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.